Salut tout le monde, c'est Zor. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus pour une tuerie en Coliseum. Et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Breeze. Salut à toi. Salut, salut. Donc durant cette vidéo, on va tenter un 3 versus 2 avec donc Breeze qui a sa roublarde. Ben, je vais commencer à présenter l'équipe adverse. Donc Goodroxer SRAM 123 9-6, enfin 11-6, il était je crois 1598 points de vie. Le Fekka Diamond Boucle 117, 11-4, 2155 points de vie. Et pour terminer, un Yop Xelitzi niveau 118, 9-5, 1601 points de vie. Donc voilà. Et ben, je te présente vite fait ta roublarde 3025 points de vie en 12-6. Et mon panda en 12-6 aussi. Donc voilà un petit peu pour l'équipe adverse. Alors attendez, je vais me caler ici. Je sais pas voir où il est à peu près. Des chances, attends, je vais me rapprocher. Ah bah j'ai touché les deux, parfait. Et je vais toucher aussi le Fekka. Voilà. T'as une bonne PO quand même. Ah bah oui, j'ai une PO de 6, donc ouais, pour ça c'est... Pour ça je suis tranquille quoi. Et je sais pas s'il est à côté du Fekka, on va voir. Ah non, il est pas. Je pensais qu'il s'était mis à côté pour les boucliers. Bon, en espérant qu'on puisse y arriver, il va falloir faire attention à la coco du Yop. Mais bon, normalement c'est y a des possibilités qu'on puisse y arriver quoi. Ouais, mais après pendant Roublard, si je passe bien mon mur de bombe, il t'arrive à mettre mes adverses dedans. Ouais, et pour ça ouais, il devrait y avoir pas de problème, il devrait pas y avoir de soucis. Écoute. Ouais, c'est parti. C'est au tour du Fekka de jouer. Le Fekka va mettre les boubous au Yob, je pense. Le SRAM, il est dans la zone à côté du Fekka. Hein. Il est juste à côté. Attends, je regarde vite fait. Canal. N'oublie pas de te rapprocher pour que je te kaboom, parce qu'après il y a des bombes que je vais exploser pour. Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. Il décide de protéger son SRAM à la place du Yop. Ouais. Ok, bon, le SRAM il doit pas être bien loin. Bon, par contre, c'est vrai que je vais pas taper bien fort sur le Fekka. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ok, le SRAM il est là. Donc je calcule vite fait 5. Là, il en reste plus que 5 PM toujours. Je crois qu'il est soit ici. Moi je pense aussi ouais. Alors attends. Une flash c'est bien de PO. Et tu lances une flash ici. Attends, ouais. Non. Ah voilà. Bah j'ai trouvé. Ouais, nickel. Et est-ce qu'il est là? Moins 0, ok, donc il est là. C'est bon. Rapproche-toi un peu de moi, mets-toi ici. Ah putain, j'ai pas eu le temps, désolé. Pas eu le temps. Bon, en tout cas, déjà tu vois où il est, donc après pour les bombes, pour ça, ça va aller. Il y a l'Iop en plus qui se rapproche, donc. Bah, du coup, je peux pas te donner un PA. Bah, tant pis, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Bah, il se place bien le SRAM. Le Yop et le. Là, tu vas pouvoir te faire plaisir. Ouais, attends. Pouvoir te faire plaisir. Donc, ouais, j'ai pas tapé bien fort à Schnapps, mais bon, en même temps, je suis pas agi moi du tout. J'ai que 155, donc bon, c'est pas non plus sympa, mais. 11%, ouais. Ok. Ouais, nickel, merci. Ah. Bon bah je peux bot hein, tac. Ah bah les deux voilà. Ça c'est le Yop, malheureusement il a montré où était le SRAM, malheureusement pour lui. La petite donc, doublette. Ouais. Petite doublette qui est bien sympa. Donc le SRAM va reperdre encore des points de vie. Et en même temps des PM. Ok, le Fekka qui se rapproche. Et qui tape à attaque nuageuse. Et retour du bâton, donc ça tant mieux parce que je tape pas force, donc c'est parfait. Donc le Fekka, ce que je vais faire, bah, je vais le balancer dans les bombes, voilà tout simplement. Vas-y. On va le prendre et
Je vais faire un petit coup de vertige et on va balancer dans les bombes, on va se faire plaisir, hein, on va pas se priver. Allez, autour du SRAM, piège d'immobilisation, va falloir que je fasse attention. Ok. Bah il est devant l'IOP le SRAM. Hein. Ouais, tu peux peut-être faire la petite triplette. Bah ouais. Attends, faut que je réfléchisse bien pour bien placer. Vas-y, vas-y. Parce qu'après moi je peux bot le SRAM. Mais... Ah putain, j'ai le double qui va me faire. Ah bah c'est bon, je peux tacler le double. Ouais, stack. Bon. Oula, OPM. Allez. La petite triplette. Hop là. Merde. Il était pas là en fait. Je pensais qu'il était là mais pas du tout. Ah c'est un bug, je sais pas. Ah bah je sais, soit c'est un bug, je sais pas mais. Ah moi je voyais bien ça. Par contre faut faire gaffe à la coco du Yop hein. Bon, ouais. De toute façon on risque pas grand chose mais bon faut faire gaffe quand même. Il va terminer ce tour-ci je crois. Ouais. Ah il m'a mis de l'érosion, 15%. Putain je pensais que le SRAM il était là mais c'est bizarre ça. Ouais j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Allez. Hop. On devrait y arriver normalement. Ouais. Ah ça y est. Voilà, nickel. Et puis voilà. Bon, comme ça, ça tourne un petit peu. Allez, le FK qui perd encore des points de vie. Il reste un PM malheureusement pour lui. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Ouais, alors attends. Je pense qu'il va bouger d'un PM. Le SRAM, il est où là? Il était devant le Yop. Ouais, mais je sais pas, il y a un bug. Il y a eu un bug, puis... Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Oh non. Ah bah non. Ah bah ça va alors. Mais en fait, il a pas... Je comprends plus rien, comme ça. Non, mais en fait, je pense que... Vu qu'il est invisible, il est dommage dans les bombes. Ah, parfait. Parfait, super. Ok, alors lui. T'es en cabot, mais donc bon, ça marche pas. Ouais, t'inquiète, toi. Tu peux refaire une triplette, je pense, non? Oh, t'inquiète, toi. Bah, de toute façon, il va crever le SRAM, je vais le mettre là. Voilà. Il va, tu vas pouvoir le terminer. Lui, je vais le pousser. Voilà. Merde. Ce que je vais faire avant, c'est... Je crois que c'est un peu liable, je pense que ça va être terminé. Ouais. Voilà. Oh, désolé. Et je vais rester là. Voilà, comme ça, ça va tirer. Nickel. Bon, ça se présente bien pour le moment là. Il y a peut-être la petite coco qui va tomber là. Ouais, mais de toute façon, je meurs pas de toute manière. Donc, c'est pas grave. 40% tard, ça va aller. Oh là là. Pauvre Yob quoi. Au fond du gouffre. Il va pouvoir coco le tonneau. Il va pouvoir sauf, je pense. Hop. Ah bah ok, Brock sur le tonneau. Ok. Bon, je vais essayer de faire... Bah de toute façon, le SRAM il va être terminé. Ah quoi que non, on termine le SRAM parce qu'il va immu sinon le... ça fait cas. Il va l'immu, c'est sûr. Attends, regarde. Tac. Ah bah voilà. Hop. Et puis abusé quoi. Je vais tout péter ou ouais vas-y. Oh, vas-y, tout péter hein. Bon bah ça s'annonce bien. Ah bah oui, là pour le moment pas trop de difficultés quoi. Il m'enlève 60 forces avec retour du bâton. Bon je vais lui enlever des vulnés je pense hein. Ouais, vas-y. Ouais, c'est parti.
Ah, comme ça tu pourras placer les bombes. Ok, bon bah ça va, c'est petit 2 versus 3 avec les bombes et le panda, c'est vraiment cheaté quand même. Ouais, c'est une très bonne. Sincèrement, c'est c'est une bonne compo hein. Ah, carrément. Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités pour mettre mes les ennemis dans les bombes. Bah moi qui porte et qui soulève, le tonneau qui attire, donc t'as largement de quoi faire quoi. T'as largement de quoi faire, donc pour ça c'est super intéressant. Super intéressant. Qu'est-ce qu'il va faire hein? Ouais, parce qu'après t'as le tonneau. Le tonneau ça peut mettre dans les bombes. Tu peux porter, le mettre de. Oh, la petite trêve de lancer. Ah oh, ben voilà. Ouais, comme ça si on enlève moins 100 en puissance. Bah de toute façon lui là je peux pas le désenvoûter de toute manière. Bah on va passer hein. Ouais. On va ouais. Juste lui enlever des lunés, voilà. Moi je vais lui mettre les héros. Vas-y, vas-y. Tac. Ouais, comme ça c'est limite l'érosion. Et puis voilà. Pour la fan. Bon. Bon ben voilà, j'espère en tout cas que ben, ce Coliseum vous aura plu. Vous direz en commentaire ce que vous avez apprécié. Donc ce soir je suis en live sur DayZ à partir de 21h sur mon Twitch. Donc si vous voulez venir voir le live vous avez... Oh putain vas-y quoi. Vous aurez le lien de Twitch dans la description de la vidéo. Le mec il veut pas faire trop chier quoi. Vous aurez le lien du live dans la description de la vidéo. Cliquez sur Twitch et c'est à partir de 21h et ça sera sur DayZ. Voilà un petit live survie tranquille. Mercredi je fais un live sur Dofus 21h. Donc si vous voulez venir ben n'hésitez pas. Et puis Et puis voilà. Je pense que j'ai tout dit, mettrai la chaîne de Brise dans la description. Voilà, bah je pense que c'est terminé à mon tour de jeu. Voilà. Nickel. Très sympa comme combat. Ouais, super sympa, ouais. Bon, en tout cas, mettez un max de pouces bleus pour ce 2 versus 3 si ça vous a plu. Merci encore à vous d'être aussi fidèle à mes vidéos. Et on se retrouve donc demain pour une prochaine vidéo sur Dofus. Merci encore à toi, Brise, de m'avoir accompagné durant cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus. Bye. Bye. Et si vous voulez acheter des jeux pas chers comme Arma 3 pour jouer à Altis Life, DayZ, Watch Dogs et très prochainement GTA 5, vous pouvez aller sur g2e.com, le lien est dans la description de la vidéo. Putain, où est-ce qu'il est mon bateau? Oh putain! Il est là-bas. Oh, oh putain! Non! T'es sérieux là? Je te tue mec? Bah oui.